سيداتي سادتي السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. اليوم ندير واحد الفيديو خاصة لهذا اللي سرقنا في بليدة، هذا بكاري غاساما. ندير له فيديو، اسمحوا لي هذا الفيديو نديرها اون فرونسي باسكو كاين واحد الكلمات ما نقدرش نقولهم بالعربية، شبريفير اون فرونسي كوم سا بوتيتر اون بارطاجون ولا يقدر يفهم واش راح نقولو على على جوستومون لي جوستيفيكاسيون لي حب يهضرهم والهضره لي يهضرهم وتفس بالجزائريين، يعني حب يطيح بينا بلي حنايا نو سام دي موفي بيردون. دونك بسم الله دوك نبداو نديرو له هذا لو ميساج ونطلب منكم فوزالي لو بارطاجي، بارطاجيوه ماكسيموم من فضلكم. Alors, message to Bakary Gassama. Un ripou, un tricheur, n'a pas le droit de se justifier après ce match scandaleux à sens unique pour faire gagner le Cameroun. Si vous avez une vengeance envers un club algérien, que je ne citerai pas le nom, qui vous a floué, soi-disant floué, de ne pas vous donner l'argent sale que vous avez exigé pour être de son côté en Tunisie. Et ce club algérois avait fait un match nul et il vous a floué de ne pas vous donner la somme que vous avez exigée. Donc, monsieur le Ripou, monsieur Gassama, notre équipe nationale n'a rien à voir avec ces pratiques mafieuses. Notre équipe nationale représente 50 millions d'Algériens dans le monde et l'Algérie est un pays respectable en Afrique et dans le monde. N'est-ce pas, monsieur l'arbitre Gassama? Donc, monsieur le voyou Gassama, vous êtes venu chez nous et devant 50 millions d'Algériens, vous avez fait votre cinéma en avantageant le Cameroun et vous vouliez même être le 12e membre de cette équipe camerounaise sur le terrain où à chaque action de but, vous faisiez justement des mimes. Des mimes en voulant même marquer à la place des Camerounais. Et tout le monde a vu ces actions et ces mimes. Monsieur le tricheur, le ripou, le voleur. Car vous perdez rien pour attendre, car la vengeance se mange comme un plat froid. Les Algériens sont partout dans le monde pour votre information, et peut-être qu'un jour vous aurez une attaque cardiaque. Et comme cela, vous allez rendre des comptes directement au bon Dieu pour tout le mal que vous avez fait à l'Algérie et à même d'autres nations. Parce que nous ne sommes pas les seuls, hein. Parce que vous êtes un arbitre corrompu. Et la corruption, vous l'avez dans le sang. Car l'argent mal acquis partira en fumée. Vous n'allez pas en profiter de cet argent. Donc, monsieur Gassama, vous prenez pour quelqu'un d'important, mais vous ne l'êtes pas. Et vous espériez qu'un jour, après avoir rendu service au Cameroun et à la CAF, vous espériez un poste important à la CAF et même à la FIFA, d'après ce que j'ai entendu dire. Mais j'espère, Inch'Allah, votre souhait ne sera pas exaucé. Parce que la vengeance, comme je vous ai dit, la vengeance se mangera comme un plat froid, parce que vous avez fait pleurer par votre agissement et par votre malhonnêteté, vous avez fait pleurer beaucoup d'Algériens. Vous êtes venus flouer, voler notre équipe nationale sur notre sol. Donc le peuple algérien, les 50 millions d'Algériens, ne vous pardonneront jamais. Et attendez-vous au pire. Voilà, en bon entendeur, salut. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا الخوا
partagez cette vidéo. Aïe, assalamu alaikum, sahaitou.